exécutant que c'est que le temps, c'est aussi un jour en France, en Paris. Berir, il a vu, Yuan, Knir, Zemero, Dexayen, un intellectuel, il s'en est à la passe-passe, Dwini, il s'en est à la passe-passe, si un an, si un kveli, il est mon car, il kveli, un babor. Les kabil babor, c'est gamme, soit l'intime de hap, va passe-passe, de Silly Zrewin, le français, le droit, TV5, monde, d'un d'un mon car français, rédacteur en chef d'Inan, où il s'est passé quelqu'un. Imagine des paramètres n'importe nos mavales, le monde, le nouvel observateur, ça seront tout mon cas Géo, Télérama, El País, l'Espagne, la vie, RT Guérin. Attends, c'est si doué l'âme. Il y a un exemple de ce que c'est un smicène qui est en France, il y a un exemple de l'exemple sur un illustrateur de Gourmet Libération avec le pilote. Il y aura le Zemmer au Ramprahan, un immun cardan français, un grand reporter. Un grand reporter, Zach Veili, Taklemte, de Wakis Sliman Zaridour. Sliman Zaridour, qui ont été donnés à des joueurs, c'est Ted Dent, El Wiljan, Jigel, Marie Munkar, Ekvelin. On va voir, il y a l'un des 57 chambres. Les Ted Dent, il y aura le qui ont donné à Zemmer au Ramprahan, il y aura le Daron et Twassen, qui est un français, un spécialiste, nos mois à l'arabe, du monde arabe, d'Amérique latine, de la Russie, de l'Asie centrale, il ne sert pas si il y a des listes. Mais si il y aura, il y a quand même des choses, nous نفيه محمد ذو ثوزة نمكّع ذي ثالث نيان محمد نفيه يوغا دعني أتصف سلم لكن يعني يوغا أسلسة تديانين تمقوحانين نغمضال أما تعبرانيت تمسيحيت ذي الإسلام يوغا سمزيس تعرف تتغرف داران لكن يوغا أمكي تديران لا دياسبورا لبنان لدغار أكل عربين ذي ثموريكين تمريكس en Tlatinit, l'Adra, le Brésil, il y aura une police d'Amzouarounis et des programmes de Ksugot, en Tlénoufmanien, Rafzragin, Brasilies, il y aura toutes les portugais. À Kentoura, Daron, il y aura pas ce mouchoir des terrains, il y aura un lâcheur, il y aura un guérou, Zouina, il fait d'avoir un kiki Amslaïflas, sort la route Taton, il y aura un Rafzragin, les arènes, ذي ثمانية فورار زوج ألاف وسبعتاش أن واحد نوير يدس ديوينيث أين أمك كيرا غزيف سينير سليمان زغيدور que je viens d'introduire dans la langue kabyle donc bonjour monsieur Sliman Zaghidour Azouf Lek bonjour et merci pour votre généreuse présentation Sliman, donc je viens de parler de votre dernier livre qui j'ai lu vraiment, il m'a fait voyager dans mon enfance et puis l'enfance de mon père. Mon père me racontait tout ce que vous avez raconté dans votre livre. Sort la route vous attend. Donc dans le livre, comme toute première question, on comprend que la vie de Sliman Zaghidour est un miracle et ce livre. On est le testament à sa famille ancienne. Est-ce que je ne me suis pas trompé, M. Zaghidour? Un miracle pour moi, modeste, parce que figurez-vous que le livre est sorti en 2017, mais le contrat pour écrire le livre, je l'avais signé en 1990. Wow. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un éditeur patient qui a attendu plus de 25 ans le manuscrit. Et c'est qu'à chaque fois, j'ai signé donc en 90, je devais écrire dans les deux ans qui suivent le livre, mais je ne me sentais à la fois, ça me démangeait de l'intérieur de gratter ce passé, de sortir le livre, mais en même temps, je me disais que je n'avais pas assez de recul. Je dois dire que je n'avais pas le courage de poser des questions à mon père, pour une superstition typiquement montagnarde de chez nous, je me disais que si j'allais poser des questions à mon père, c'est que quelque part, je suppose qu'un jour il va partir, et je trouvais assez malsain de faire cette supposition. Donc j'ai tardé très longtemps avant de lui poser les questions, et d'ailleurs je n'ai pas posé toutes les questions, et pour
Donc, le miracle, si miracle il y a, c'est que j'ai réussi à vaincre ma propre procrastination pour me mettre à écrire ce livre qui me travaillait depuis très, très longtemps. Et donc, de ce côté-là, on peut dire que c'est un petit miracle, c'est-à-dire, j'appelle un miracle une victoire sur moi-même. Oui. Et donc, j'ai sorti ce récit dans lequel je me suis efforcé à faire de combiner deux efforts, deux soucis. Celui de restituer les émotions, les pensées et les idées autant que faire se peut possible de l'enfant que j'étais. C'est-à-dire me baser sur mes souvenirs pour restituer la façon dont je percevais le monde, les gens, les événements à ce moment-là, sans que l'adulte, que le point de vue de l'adulte, que la relecture de l'adulte puisse interférer. Et sur un second registre, ou un registre parallèle ou imbriqué, je fais le regard de l'adulte que je suis aujourd'hui, presque grand-père, sur le petit enfant qu'était Slimane Zeghidour. Donc, d'un côté, je restitue les sentiments et la vision que j'avais de l'époque, mais en même temps, le narrateur, c'est l'adulte que je suis. Et donc, ce n'est pas un livre de fiction. C'est une autobiographie à la première personne qui est basée sur mes souvenirs. Et je dois dire que, deuxième miracle, j'ai une mémoire visuelle et auditive extrêmement développée. Et donc, j'ai conservé avec une vivacité photographique, beaucoup de souvenirs, beaucoup qui étaient plus ou moins douteux et qui étaient peut-être ce qu'on appelle en psychanalyse des souvenirs écrans, c'est-à-dire des rêves qu'on a fait quand on était enfant et qui ensuite deviennent comme des souvenirs, sont perçus comme des souvenirs qu'on aurait vécu. Donc j'ai fait recouper pas mal de ces souvenirs. Il y a deux ou trois souvenirs écrans qui sont probablement des rêves et j'ai donc restitué la guerre d'indépendance vue par un enfant dans une famille d'agriculteurs parqués dans un camp de regroupement et qui découvre d'un coup le monde moderne. Des soldats, des produits qu'on n'a jamais vus, les carottes, les bananes. Et j'ai vu un avion avant d'avoir vu un vélo. Parce que la région d'Eragan, d'Eragan, qu'on a, que les Français appelaient Eragan, qui est sur le versant est des Djebel Babor et Tababort, le versant ouest, c'est Kharrata. Nous sommes juste derrière Kharrata. C'est une des zones les plus forestières, les plus sauvages du pays jusqu'à nos jours, où il y a une pluviométrie unique en Méditerranée. Il pleut 1600 mm par an, c'est-à-dire trois fois plus qu'à Paris et à Brest. Donc, nous avons des forêts très denses et l'armée française, pendant les deux premières années de la guerre, ne pouvait circuler, rejoindre le camp que par avion, tellement la route était dangereuse. Donc, le petit Slimane, fils de Fellah, analphabète, transplanté de sa meshta dans le camp, a vu l'avion avant de voir le vélo. Wow. C'est une question sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, qui fait partie de votre livre, mais auparavant, M. Zeghidour, nous avons de la chance que vous nous avez accordé cette interview à TQ5, parce que très peu de Kabyles... C'est un très grand plaisir à moi de m'adresser, ouais. Je dirais, peut-être il y a des gens de ma génération qui ont connu la guerre d'indépendance, mais pour la génération suivante, comme une modeste contribution et peut-être un peu de transmission sur ce que fut l'Algérie dans la guerre. Et c'est d'ailleurs, en tout cas dans ma région, c'est une Algérie qui a totalement disparu à tous les niveaux. La langue, les charades, les légendes, les contes populaires, les croyances, les usages, la façon de construire, de s'habiller, tout a disparu. Et donc, oui. C'est d'autant plus, c'est presque une Algérie exotique. Tellement elle est loin de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était mieux hier ou pire aujourd'hui. Je dis juste que nous avons basculé deux fois d'un monde à l'autre, de la colonisation
passive à la guerre active, et de la guerre de l'occupation, de la domination à l'indépendance, qui a ouvert un autre chapitre de problèmes. Tout à fait, Monsieur Zaretour, effectivement, donc très peu de Kabyles et d'Algériens, de façon générale, connaissent un peu le quotidien ou l'histoire des Kabyles de Babor. Vous l'avez bien cité, Babor. Pas seulement des Kabyles de l'Algérie rurale, c'est-à-dire l'historiographie officielle algérienne, et je le dis sans aucune acrimonie, c'est une historiographie factice, c'est-à-dire qu'elle nous raconte la guerre d'Algérie que d'un point de vue héroïque de celui des combattants de l'indépendance. J'ai le plus grand respect pour les combattants. Mais les combattants, ils étaient au plus fort de la guerre, c'était 50 000. Mais nous, les paysans, les gueux, les pauvres fellahs, nous étions 2 millions et demi à être transbahutés de nos villages dans des camps de regroupement, avec des morts, des maladies, la dépossession, la perte de notre bétail, de nos terres. Nous n'existons pas dans l'historiographie officielle. Seuls les moudjahides, les combattants, existent. Et quand il y a des séminaires d'écriture de la guerre d'indépendance, ce sont les anciens moudjahides qui parlent. Ce ne sont pas les veuves, les orphelins, les gens polytraumatisés. Nous sommes un peuple de polytraumatisés par cette guerre. Je le dis sans gémir, sans aucune plainte. C'est un constat lucide. Donc, dans l'historiographie officielle, la population n'existe pas. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a eu 1 million ou 1 million de martyrs, on laisse entendre que ce sont 1,5 million de combattants, de Junoud. Or, la guerre d'Algérie est la moins militaire des guerres d'indépendance. Comparée à la guerre du Vietnam, l'aspect militaire était beaucoup moins important. Il n'y a pas l'équivalent d'un Dien Bien Phu dans la guerre d'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette guerre était surtout une répression, une destruction de civils. Et c'est cela que l'historiographie officielle, obsédée par l'héroïsme, ne montre pas. Alors que si vous lisez les récits de la Deuxième Guerre mondiale soviétique, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, vous lisez Vassili Grossman dans son livre « Pour une juste cause, vie et destin », deux livres. C'était un correspondant du quotidien de l'Armée rouge, l'Étoile rouge. Il raconte la bataille de Stalingrad. Dans la bataille, c'est le peuple soviétique qui apparaît, avec ses paysans, ses boulangers, ses juifs, ses ukrainiens, ses musulmans ouzbeks. C'est tout le peuple qui souffre et qui se bat. Alors que dans le récit, dans l'historiographie officielle algérienne, il n'y a que les moudjahidines, avec tout le respect qui leur est dû. Le chiffre de 1,5 million de martyrs, il est faux d'après vous, Monsieur Zaretour? Écoutez, pour moi, les chiffres des morts, ce qui compte, ce ne sont pas, ce n'est pas le nombre de morts, c'est leur poids. Donc, c'est sordide de rentrer dans les chiffres. La population algérienne a été démantelée par cette guerre, arrachée à sa terre, extirpée, réprimée, et évidemment, il y a eu des centaines de milliers de morts. Maintenant, 1,5 million, ça, c'est une affaire d'historiens qui travaillent sur les documents. Donc, moi, je ne suis pas habilité pour dire si les chiffres sont vrais ou faux. Mais encore une fois, ce n'est pas le nombre de morts qui compte, c'est leur poids. C'est-à-dire ce qu'ils laissent comme blessure dans la mémoire des vivants. C'est que les morts continuent de peser sur la vie des vivants. Et c'est notre cas à tous en Algérie. Tout à fait. Donc, avant de rentrer dans le vif du contenu de votre livre, je reviens toujours au Kabyle de Babor. Moi, ce qui m'a marqué dès le début en lisant votre livre, Monsieur Zaretour, c'est que tout petit que vous avez posé la question à votre père sur votre parler, votre père vous a répondu qu'il s'agit d'El Barbaria. N'est-ce pas la conséquence du mépris de littoral de Djidjel pour les gens de Djbel, qui désignent comme des Kabyles d'en haut, El Neras, comme vous le dites chez vous, c'est-à-dire des sauvages, versus les Kabyles d'en bas, El Khadra, comme on dit à Djidjel, c'est-à-dire des civilisés. Ce n'est pas pour diviser entre les Kabyles, parce que ce constat, on le trouve non seulement à Djidjel, mais actuellement aussi à Tizi Ouzou avec Demouh, à Béjaïa avec Raoum Baya, etc.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce mépris, justement? Écoutez, mon père m'a dit le barbarien, effectivement, avec une affectueuse condescendance. Je ne crois pas que ce soit un truc idéologique, pour l'époque en tout cas, parce que les questions identitaires à l'époque ne se posaient pas. Mais cela est vrai, vous avez raison, les gens de Djigel, de la côte, se disent Qbayl al-Hadra, donc ils se revendiquent comme berbères, comme kabyles, ils trouvent normal de ne pas parler kabyle. Par contre, nous, nous sommes désignés comme Qbayl al-Niras. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, là, en 2000, quand je descends à Djigel, je sens cette espèce, pas de mépris, parce que les gens ne sont pas méchants, une sorte de condescendance, une façon de vous regarder. Moi qui m'amuse, parce que franchement, moi, je n'ai aucun problème identitaire, ça m'amuse et je regarde ça beaucoup plus comme journaliste. J'y vois quelque chose comme anecdotique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nos paysans, comme tous les paysans, ont toujours été impressionnés par les lettrés. Et je l'ai vu dans tous les pays musulmans. Je suis allé jusqu'au fin fond de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan en Asie centrale, ou en Iran, bien que l'Iran ait créé dans l'Antiquité un des plus fantastiques empires de tous les temps. Mais, à cause de l'islam, il y a une vénération de la langue arabe, même chez ceux qui ne la parlent pas, qui fait que ils déconsidèrent leur langue par rapport à l'arabe, qui est une langue sacrée à leurs yeux. Chez nous, c'est encore pire, parce que si nous, nous étions pauvres, nos parents sont illettrés, et quand nous tombons malades, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir un talib qui nous fait une amulette où il écrit quelques versets du Coran avec de l'encre, et quand on dilue cette encre dans une eau, on la boit et on a l'impression qu'avec cette langue, on peut se soigner, guérir. Bref, c'est une langue démiurgique et sacrée. Et du coup, tout ce qui n'est pas arabe, et c'est du barbaria, c'est-à-dire un patois pour tchatcher. Et si vous, dans la Kabylie, telle que l'ont découverte les Français après la conquête de la Kabylie en 1850 et jusqu'à 1800. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le général Domas. Il demande à des ethnographes militaires d'enquêter auprès des grandes familles maraboutiques, des grandes Kabylies, pas de Fino de la petite. Il leur demande d'interroger les chefs de ces familles maraboutiques kabyles sur leurs origines. Toutes ces familles maraboutiques donnent fièrement une origine arabe, sauf l'une d'elles qui donne une origine persane. On n'est jamais prophète dans son pays, et chez nous, même en Kabylie, les familles maraboutiques, pour justifier leur noblesse, se trouvent un ancêtre arabe. Là, on est dans l'histoire de tous les pays musulmans, et on est dans l'histoire de tous les pays dominés par des civilisations internationales et cosmopolites. Si vous allez en Amérique du Sud, par exemple, vous allez au Brésil. Une fois, j'étais au Brésil, j'ai déjeuné avec une collègue noire. Je lui ai dit, tu es de quelle origine? Elle m'a dit hollandaise. Et sérieusement, pourquoi? Parce que dans les croisements de sa famille, il y avait un ancêtre hollandais, et c'est celui qu'elle a choisi de retenir comme étant son ancêtre, ce qui est à la fois vrai et en même temps indétectable. Donc l'intériorisation d'une dévalorisation, c'est un phénomène psychologique qui est extrêmement répandu. Il continue d'ailleurs en Algérie. Si vous voyez par exemple comment la chaîne officielle de la télévision algérienne prétend exceller à parler un arabe irréprochable, ça fait rire les orientaux. Parce que quand vous regardez la télévision syrienne, la Syrie est pour moi le pays le plus arabe. Déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, la Syrie était un pays arabisé.
La télévision syrienne parle en langage syrien. La télévision saoudienne parle en arabe très proche de l'arabe commun. Regardez la télévision tunisienne, marocaine. Ils parlent un langage arabe, ce qu'on appelle l'arabe moderne, c'est-à-dire un vocabulaire moderne, mais qui est adapté à la musicalité, à l'oreille du peuple. En Algérie, c'est le seul pays arabe qui utilise un arabe amphigourique, c'est-à-dire un arabe qui n'a jamais existé comme langue parlée. L'arabe littéraire n'a jamais été une langue parlée dans aucun pays arabe. C'est une langue de scribe, c'est une langue d'administration, c'est une langue de décret ou de firman du sultan ou du calife. L'Algérie seule veut en faire un langage de communication. Donc l'Algérie seule qui veut sauver l'arabe, en fait. C'est pas qu'il veut le sauver, c'est-à-dire ce sont des élites, qu'elles soient francophones ou arabophones, qui sont toujours là, qui parlent face à une espèce de maître imaginaire qui est intériorisé et devant qui on veut montrer qu'on est exemplaire. Tout à fait, ouais. J'ai compris ça. Ouais. Alors que là, le seul sentiment qui mérite d'être cherché, c'est celui de votre interlocuteur, c'est-à-dire votre population et votre société. Qu'est-ce que c'est que cette langue que vous utilisez quand vous parlez devant une télé et un quart d'heure après, quand vous avez fini la télé, vous appelez votre mère ou votre frère, vous lui parlez de notre langue, qui est votre vraie langue. C'est vrai. C'est incroyable. Oui, il n'y a pas de mots. Vous avez tout dit. Est-ce que la langue qu'on utilise... Vous prenez par exemple ici le président Macron. Il va voir des chômeurs. Il leur parle. Ensuite, il va voir des ouvriers. Ensuite, il va voir des médecins. Ensuite, il va voir des académiciens. De haut en bas de l'échelle sociale, ils parlent la même langue. En Algérie, non. La langue qu'on parle avec sa femme et celle qu'on utilise à l'université ou à la télé n'est pas la même. Ouais. Pourquoi ? Le plus important dans une langue, c'est d'être compris. Il vaut mieux parler une langue imparfaite qui vous fait comprendre qu'une langue impeccable où on ne vous comprend pas. Le Malte, M. Zeridur, l'ont bien compris, il parle pratiquement en arabe nord-africain, l'arabe des Maghrébins. Le Malte, qui est, le Maltais, moi j'ai vu quelques vidéos, il parle vraiment l'arabe algérien pratiquement, mais simplement transcrit en caractère latin. Vous avez raison. Ouais. Malte est le seul pays européen qui parle une langue sémitique. Voilà. Enfin, ce n'est pas de l'algérien, c'est du tunisien. Et moi, je suis allé plusieurs fois à Malte. Moi, je comprends tout. Ils ont un journal qui s'appelle Koulhad. Oui, je l'ai vu. Tous les dimanches. Oui, merci. Oui. Leur parti s'appelle, le parti du travail s'appelle Parti Ta'a Shurl. Parti des travailleurs. Oui. Vous allez à l'église, ils disent Qaddas, Yom, l'etnin, t'lata, l'arba, l'chmis, l'jima'a, sibt, l'had. Oui, c'est un pays qu'il aurait pu postuler à la Ligue arabe parfaitement. Mais les relations culturelles entre le monde arabe et Malte sont absolument nulles. Oui, tout à fait. Ils écrivent l'arabe en caractère latin, en plus. Oui. Oui. C'est un autre sujet, peut-être on va revenir sur plus tard dans une autre interview. Maintenant, on revient. D'abord, avant de rentrer dans le vif de votre livre, j'ai une petite question pour finir avec ces histoires d'identité linguistique. Plus loin dans votre livre, vous avez écrit que vous n'avez plus que votre oncle à Achor et votre cousin Amar émigré à Marseille pour papoter dans votre cher et vieux patois, vous le dites dans votre livre, déjà condamné sans appel. Quels sentiments ressent aujourd'hui Slimane Zeridur quant à la perte de cette identité linguistique ? Je ne dirais pas ça, identité linguistique, parce que l'identité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et l'identité est devant nous, pas derrière nous. L'identité change en permanence, évolue, elle intègre des éléments, elle en oublie d'autres. Non, par contre, j'ai un attachement, une immense tendresse pour mon patois. Moi, je dis patois, je ne dévalorise pas le patois. Encore une fois, la noblesse d'une langue, c'est de faire passer le message. C'est pas d'être parfaite. Et d'ailleurs, même dans le journalisme, une leçon basique de journalisme ou même de littérature, de stylistique, c'est qu'entre un mot compliqué et un mot simple,
il faut choisir toujours le mot simple. Car le plus important, c'est d'être compris par votre interlocuteur. Ce n'est pas de l'impressionner par votre savoir linguistique qui ne comprend pas. Donc, ce patois, j'ai vu comment ma famille, mes cousins, dès qu'ils arrivent à Alger, 3 jours après, ils commencent à l'effacer. Et notamment, ils ont un complexe par rapport à la lettre, le tsa, le tse. C'est kabyle. Ils commencent à dire nta, au lieu de dire tsa. Or, ce tsa, il a une très longue histoire. Le tsa vient du punique. Parce que l'alphabet cananéen qui a donné le phénicien et ensuite l'arabe a 29 lettres. L'arabe en a conservé 28, sauf le tsa, qui est l'équivalent du dad. C'est pour ça qu'on appelle la langue arabe l'ourat dad. Donc le tsa, qui est évidemment en kabyle, mais aussi chez les tlemcéniens et les gens de Razawat. Razawat, c'est un phénomène linguistique très intéressant en Algérie, parce qu'ils sont à l'extrême ouest de l'Algérie, mais ont un dialecte qui ressemble à celui de Djidjel et de la petite Kabylie. J'ai vu mes cousins, mes propres cousins, dans ma famille, dans le village, tous les jeunes qui partent à Alger sont tellement complexés qu'ils sont les premiers à tuer en eux-mêmes leur propre langue. C'est-à-dire qu'ils intériorisent le mépris ambiant, mépris qui a été aggravé par le très sympathique, le merveilleux institut inspecteur Tahar, parce que le dialecte des Babors est le seul qui a été caricaturé dans une série télévisée, mais qui n'a pas été caricaturé malicieusement ou de façon méchante. J'ai connu l'inspecteur Tahar, paix à son âme, c'était un homme absolument merveilleux, et moi-même, il parlait un djidjilien d'ailleurs très incorrect, mais il nous faisait rire. En revanche, ce que j'ai toujours dit à mes amis berbéristes de la Grande Kabylie, nos cousins, nos grands-cousins de Grande Kabylie, c'est de sortir de leur orbite pour aller dans les Babors. Pourquoi les Babors? C'est une région intéressante. C'est la région montagneuse de tout le Maghreb où le langage est structuré sur 2 modes. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du Gourbi est kabyle, tout ce qui est à l'extérieur est arabe. À l'intérieur de la maison, il y a Adabdar, Addaï, Agnes, Rokna. Tout ce qui est dehors, c'est Ajdar, Rahba, et arabe. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est rapports sociaux est arabe. Pourquoi? Parce que les Babors, c'est la région de la montagneuse du Maghreb qui confine à la plaine sétifienne. Et si vous regardez bien la topographie de la géographie de l'Algérie, vous avez un couloir qui va de Kairouan jusqu'au Maroc. C'est la route des invasions. C'est plein comme une autoroute. C'est la route des invasions. Et tout ce qui est international, tout ce qui est route de communication internationale et pour les langues internationales, ça a été le punique, le romain, probablement le byzantin, et ensuite l'arabe et enfin le français. Les Français ne se sont pas installés à l'intérieur des montagnes. C'est la plaine. La plaine est arabophone ou francophone ou punique ou romanophone, la montagne est berbérophone. Et les Babors, c'est le laboratoire où cette lutte, cette coexistence, ce concubinage entre le vieux kabyle et l'arabe se déroule sous nos yeux et qui est en train de disparaître au profit de l'arabe littéraire. Je leur ai dit, c'est plus important d'aller recueillir les mots. Parce que dans la Kabylie, et moi je suis passionné par l'étymologie, le vocabulaire berbère de la Kabylie des Babors, par certains aspects, il est extrêmement plus sophistiqué que celui de la Grande Kabylie, pour la simple et bonne raison que la Grande Kabylie est le pays qui a donné les premiers immigrants algériens
en France, c'est-à-dire les premiers Algériens qui se sont frottés à une vie européenne, et c'est pour ça qu'ils ont été les pionniers du nationalisme algérien. Elle a été la locomotive de l'entrée de l'Algérie dans la modernité, pas parce qu'elle est kabyle, mais parce que les accidents de l'histoire ont fait qu'elle a donné les premiers immigrés. Mais nous, nous avons gardé le vocabulaire pour les plantes les plus infinitésimales et les fleurs, nous avons un langage kabyle. Moi-même, voyant que ça disparaissait, j'ai créé mon propre herbier et mon dictionnaire des plantes en les dessinant. Moi-même, j'ai été dessinateur, donc j'ai dessiné ces plantes et leur ai préservé leur nom kabyle que plus personne de ma région ne parle. Et il est resté donc mon oncle Achour et mon cousin Ammar qui est à Marseille. Mon oncle Achour est mort l'année dernière. Il me disait, je suis votre dernière cartouche. Paix à son âme. Il me reste, moi, mon oncle et mon cousin Ammar, et nous nous parlons dans ce dialecte qui est devenu, qui est un simple vestige maintenant, qui va disparaître, comme j'en suis sûr, disparaissent chaque jour des dizaines de mots en Algérie. Et j'ai donc, pour terminer, j'ai dit à ces amis berbéristes, d'aller sauvegarder les mots qui sont en train de disparaître, c'est plus important que de chercher à trouver l'équivalent berbère pour dire réacteur ou bien ordinateur ou bien Internet en inventant un mot berbère pour dire garage ou Internet. Les chercheurs أتروحهم قبالي النبابور اللي هنا بتقضم مسلاين إما زالت فندينا يدقار سليمان زغيدور دي مسلاين قبالي سني تقضم سنتيد سيهم وكيدي زن c'est un message aux chercheurs qui travaillent un peu dans le domaine amazir d'aller faire un tour au cabinet de Babor pour pousser leurs recherches. Alors ce n'est pas une incitation, mais je pense que si j'étais un linguiste, j'irais le faire. Vous avez, il y avait deux expressions, je ne sais pas si elles ont disparu. Par exemple, ce mélange d'arabe et berbère. Quand on fait aromotajin, on dit hatli, c'est-à-dire donne-moi hasgen, hasgen dil kisra, c'est-à-dire la moitié d'une galette. Wow. Hatli, hatli, hasgen dil kisra. Ou bien, ça c'est encore plus fascinant. Wow. Hatli, harom dil khabz. Harom, ça veut dire un morceau. Harom de khabz, c'est-à-dire donne-moi un pain du pain. Wow. Donc, je vous dis, il y a un concubinage de l'arabe, du kabyle dans cette région qui. Incroyable. Il y a un orientaliste qui s'appelait William Marseille, qui l'a fait pour le dialecte de la ville de Djijel, c'est-à-dire de Qbayl al-Hadra. Je ne sais pas s'il y a eu des thèses ou des travaux sur le Qbayl al-Niras de la montagne et des Babors. Je ne sais pas. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'Algérie rurale est morte. C'est fini. Ah oui, à ce point. On peut la ressusciter par des monographies, par un travail anthropologique, mais c'est fini. Et ce n'est pas unique à l'Algérie. Si vous lisez la transition de la France à la fin du 19e siècle, de la campagne à la ville, vous verrez que l'arrivée du chemin de fer, de la presse, de l'électricité a détruit des centaines de métiers et a fait que les gens ont perdu leur langue d'origine au profit du français. Jusqu'en 1870, 80% des habitants de la France ne parlaient pas le français. Ils parlaient le patois. C'est l'école obligatoire à partir de la Troisième République en 1870, plus les guerres qui ont brassé les Français de toutes les régions et leur ont donné un langage commun. Slimane, Monsieur Zerdé, on rentre dans la prochaine question. Maintenant, on parle de le noyau de votre livre. Donc, par rapport à son contenu, la phrase qui a attiré le plus mon attention, c'est la phrase suivante, le passage du néolithique à la modernité. Vous avez raconté que quand la famille a été forcé de s'installer dans le camp des Reagan en 57. C'était pour vous la découverte de l'école, de l'hôpital et autres choses. D'ailleurs, la famille s'est installée à Alger 3 mois après
la fin du camp de regroupement à la suite du cessez-le-feu de mars 1962. Le camp des Reagan a été englouti après la fin de la construction du barrage. Tous ces souvenirs vous ont trop marqué, mais ils ont aussi tracé votre chemin vers la modernité. D'où le titre de votre livre, inspiré de la pensée kabyle, celle de votre mère, décédée il y a quelques années, paix à son âme. Sors vive et traduque, traduit en français, sors la route t'attend, un livre que vous avez sorti et donc qui était chez les éditions Hazarène 2017. Est-ce que je ne me suis pas trompé, Slimane? Ce que je vais dire peut paraître étrange ou provocateur, mais la vie, le phénomène de la guerre, c'est quelque chose de tragique et en même temps de fascinant dans les transformations qu'il apporte dans la vie des gens sans que ces gens n'aient prévu ces transformations. Comme on dit, on sait toujours comment une guerre commence, on ne sait jamais comment elle finira. Ce qui s'est passé, c'est que si je suis ce soir-là en train de vous parler, c'est à cause de cette guerre. S'il n'y avait pas eu cette guerre, nous ne serions jamais sortis de notre hameau où il n'y avait ni route, ni électricité, ni eau, où il n'y en a toujours pas d'ailleurs, 60 ans après l'indépendance. Donc j'aurais été probablement emporté par la tuberculose, parce que j'ai contracté une primo-infection. Ce qui s'est passé, c'est que la guerre éclate. L'état-major français comprend rapidement, c'est là où la France réalise qu'en 120 ans, elle n'a rien fait pour le monde rural. Et donc, tous les villages enclavés où l'armée ne peut pas aller avec de façon en char ou avec des blindés ou des voitures, tous ces villages sont des repères, des refuges pour les combattants de l'indépendance. Et on ne peut pas aller les chercher parce qu'on se fait repérer très vite. Donc la solution a été d'appliquer les règles de la guérilla d'Indochine, notamment la phrase de Mao Tse-tung qui a dit que les combattants doivent être comme des poissons dans l'eau au milieu de la paysannerie. Et donc l'état-major français a dit c'est simple, dans ce cas-là on va retirer l'eau et le poisson va crever. Et l'eau, c'était nous, les paysans. Donc, 2 millions et demi de paysans ont été, du jour au lendemain, transférés dans des centaines de camps de regroupement, en laissant les champs et récoltes sur pied, en bradant le bétail, en le mangeant. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au printemps 57, dans la région d'Izragan, pluriel de Ezreg, qui veut dire un cours d'eau sinueux, parce qu'il y avait beaucoup de rivières qui tombaient des contreforts du mont Babor et qui se réunissaient dans le oued de Djenjen, qui se jette à l'est de Djidjel. Donc nous nous retrouvons là-bas, dans ce camp, et par chance, je dis par chance parce qu'il y avait, avec le plan de Constantine qui allait venir, la construction d'un barrage hydroélectrique dans cette cuvette des Babors entourée par les montagnes, par le Jbel Segrurt, le Jbel Tsababort et le Jbel Babor. Et ensuite, Semzgida. Et c'est une cuvette, il y a une pluviométrie extraordinaire, donc c'est la topographie idéale pour un barrage. Pourquoi c'est une chance? Parce que nos hommes, qui étaient des paysans qui vivaient selon les caprices de la nature et des pluies parfois dévastatrices, allaient être embauchés comme ouvriers dans le barrage par la compagnie Campenon et Bernard. Et c'est là où j'espère que les auditeurs algériens comprennent avec leur esprit, pas avec les tripes. Qu'est-ce qui se passe? Avec la guerre, nous entrons avec un fracas dans le monde moderne et dans l'économie de marché. Du coup, nos paysans deviennent des salariés, c'est-à-dire avec une paie garantie chaque mois. Du coup, nous découvrons des produits totalement inimaginables, les courgettes, les bananes,
les oranges, tout cela, nous ne l'avons pas. Les seuls fruits que nous avons, je les connais. C'est des grenades, des figues, du raisin, des reines clôtres. C'est tout. Les légumes, c'est les fèves, l'orge. Le blé ne pousse pas très bien chez nous parce que c'est une terre schisteuse qu'on appelle azarar. Donc, c'est des terres un peu, il y a une salinité, c'est surtout l'orge qui pousse très, de façon très, très, très parcimonieuse. Et là, dans le camp, nous achetons pour la première fois depuis des millénaires, nous achetons ce que nous mangeons. Nous ne tissons plus nos vêtements, nous les achetons. Donc, paradoxalement, dans l'horreur de la guerre, dans l'horreur du déracinement, nous entrons dans la modernité et il y a une petite amélioration du niveau de vie. Il y a l'hôpital et il y a l'école. L'école, c'est une tente installée par l'armée. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que pour l'état-major français, tactiquement, le camp devait couper le peuple, le petit peuple, des Moudjahidines, des Junoud, qui sont issus de ce peuple. Ce sont nos parents, nos oncles. Tactiquement, il fallait couper les vivres aux combattants de la LN en les éloignant de la population. Mais stratégiquement, il s'agissait de rattraper tant soit peu le temps perdu en donnant une bonne image de la France. C'est pour ça que c'est une erreur de dire que les camps de regroupement étaient des camps de concentration, c'est-à-dire d'extermination. Non, c'était des camps où on voulait montrer que la France faisait du bien. D'où les officiers des affaires indigènes, les SAS, qui faisaient de l'action psychologique, du renseignement, de la manipulation, et du soft power en plein, pendant que la guerre faisait rage dans les montagnes, la répression, les bombardements, le napalm et tout cela. C'est cette complexité que l'historiographie officielle ne montre pas. Et les instincts que j'ai eus, par honnêteté, par témoignage, je peux dire qu'ils ont été d'une humanité absolument irréprochable, qui nous ont valorisés, qui nous ont... Et je dirais même, l'un d'eux m'a donné ma première leçon de patriotisme algérien. Une fois en classe, j'ai donné un coup de coude à un enfant. Le soldat s'est penché vers moi et il m'a dit « Ne fais pas ça, c'est ton frère. » Ça, c'est un soldat qui m'a donné cette leçon. C'est dire combien cette histoire était à la fois un conflit classique d'un colonialisme qui tire sur sa fin alors que la vague anticolonialiste était en train de monter, les rapports internationaux, les redistributions des cartes géopolitiques étaient déjà engagées à l'échelle planétaire après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide s'installait, bref, de toute façon, il était inéluctable que l'Algérie allait devenir indépendante. Et nous, nous étions pris dedans. Et c'est pour ça qu'il faut restituer la complexité humaine de cette guerre, mais aussi géopolitique à l'échelle planétaire. Moi, dans mon livre, j'ai été très modeste. Je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce qui m'a fait peur, ce qui m'a fait rire, et ce que j'ai vécu, moi et mon petit cercle familial, à l'intérieur d'un camp entouré de barbelés et avec un couvre-feu de 8 heures du soir à 6 heures du matin. En parlant justement de ces écoles-là, c'est une politique d'apaisement que le colonel français a voulu parce que dernièrement, j'ai invité... C'est une politique de guerre psychologique, évidemment. Mais ça impliquait que l'école faisait son travail d'école. À peu près ce que se faisait à Alger avec les centres éducatifs, et vous avez cité aussi Germain... Le planning familial, bien sûr. Vincent Germain Monteil, que j'ai connu ensuite personnellement, mais aussi Germaine Tillon, Edmond Michelet, il y avait plusieurs personnes, oui. Et aussi Philippe Marchand, qui était avec Mouloud Feraoun parmi les instituteurs qui essayaient de sauver ce qui pouvait être sauvé des rapports franco-algériens. Je rappelle à la génération algérienne qui monte que Philippe Marchand a fait un livre qui s'appelle « Histoire de la France et de l'Algérie » dont j'ai un exemplaire.
où c'est écrit en diptyque. C'est-à-dire, on avait une page sur l'histoire de l'Algérie à l'époque romaine, une histoire sur la Gaule jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il n'y a pas nos ancêtres, les Gaulois. Il y a nos ancêtres, les Berbères, nos ancêtres, les Phéniciens, l'arrivée des Arabes, l'islam, l'âge d'or musulman, l'arrivée des Turcs. Donc, j'ai appris l'histoire algérienne dans ce livre de Philippe Marchand, qui a été lâchement exécuté à bout portant par l'OAS, avec Mouloud Feraoun, d'ailleurs, à Ben Aknoun. Récemment, TQSEC a fait une émission avec l'un des fils de ces instituteurs assassinés, dont Salah et Aoudia, il s'appelle Dr Jean-Philippe. Exactement. On a parlé de tout ça, justement. C'est cette complexité qui n'est pas racontée par le discours, par l'historiographie officielle, et qui fait que les gens, si vous interrogez la plupart des Algériens, ne connaissent pas l'histoire de la guerre d'indépendance parce qu'elle est incomplète et elle est factice. Elle insiste sur seulement le strict aspect militaire, comme si cette tragédie de 7 ans n'était qu'une suite d'escarmouches et d'accrochages et non pas un chambardement anthropologique général et démographique et social et culturel et linguistique. Slimane, avant de rentrer, une question rapide, on reste toujours avec cette école dans le camp des Reagan. J'ai remarqué, en lisant le livre, qu'il n'y a pas eu d'école pour les filles. Et pourtant, c'est l'école républicaine française qui les a exclues. Comment vous expliquez ça? Ce n'était pas une école normale. C'était un local d'instruction, c'est une tente. Et il n'y en avait qu'une seule pour un camp de 6500 âmes. Il y avait peut-être, je ne sais pas, au moins 2500 enfants, et dans la classe, nous étions quoi, peut-être 40. D'accord. Il n'y avait même pas de place pour tous les garçons. Donc, ce n'était pas une école normale. Et encore, c'était une école construite en catastrophe dans une politique, dans le cadre d'une guerre psychologique de conquête de la population. Car la guerre d'Algérie a été une guerre d'abord psychologique, et dont l'enjeu, c'était la population et non pas le territoire. C'est pour ça que la société est sortie détruite. Parce que dans ce type de guerre, la suspicion de tout le monde par tout le monde, les dénonciations sont une affaire courante et détruisent le lien de réciprocité entre les gens. Et d'ailleurs, cette mentalité de suspicion continue jusqu'à aujourd'hui. Regardez, quand vous discutez avec un Algérien lambda, s'il n'est pas d'accord avec vous, il ne vous dit pas « vous vous trompez, vous êtes d'extrême droite ou d'extrême gauche ». La première évaluation, c'est « tu es un harki, tu es un vendu ». Ouais. Slimane, en 1970, dans l'Algérie indépendante, vous avez eu 17 ans, vous êtes devenu dessinateur chez Mkhidesh, une revue bande dessinée qui m'a marqué personnellement. Donc, vous étiez, j'ai lu dans votre livre, vous étiez marqué par le dessinateur Ray Lambert dans les manuels scolaires. Je rappelle que Ray Lambert est le nom d'artiste de Raymond Gabriel Lambert, qui est né en 1889 et décédé en 67. La question, pourquoi et comment Ray Lambert vous a marqué, M. Zeridou? Eh bien, donc, comme dans le camp, comme on peut l'imaginer, nous n'avions ni transistor, ni livre, et encore moins de télévision. Mais on avait un livre qui s'appelait, dont j'ai retrouvé miraculeusement un exemplaire chez un bouquiniste de Paris, nous avions un livre qui s'appelait « Ali et Fatima vont à l'école ». Et on les voyait évoluer, aller à l'école, venir au marché, dans la maison, dans un décor algérien, avec des paysages algériens, et ça me faisait rêver. C'était les premières images que je voyais de mon pays. Et cet émerveillement pour le paysage algérien, je le dois à Ray Lambert. Et d'ailleurs, j'envisage d'aller voir, il est né dans le village, dans la ville de Elbeuf, j'envisage d'aller dans cette ville pour voir le paysage où il a grandi. C'est lui qui m'a fait plus qu'aimer mon bled, parce que je suis resté extrêmement attaché à mon village, même s'il n'y a plus rien
aujourd'hui. Il n'y a ni route, ni, et même dans le village, dans la commune Eragen, jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de sage-femme. Et l'hôpital le plus proche est à 52 km à Djigel, où le dispensaire est à 31 km à Ziamamansori. Il n'y a toujours pas ça. Toujours, la modernité n'est toujours pas arrivée. Bon, ça c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que Ray Lambert m'a fait aimer mon bled, et par ricochet m'a fait aimer le dessin. Il y a 17 ans, je suis allé au journal Mkridesh pour les vacances d'été comme simple stagiaire. Et donc, moi, le blédard qui était dans la banlieue d'Alger, à Ben Mondraïs, j'arrive au 51 boulevard Blemidi, et petit à petit, je me trouve précipité au cœur de la politique internationale. Pourquoi? Parce que dans les soirées, dans les cafés où on allait, je me retrouvais au milieu d'exilés politiques brésiliens, argentins, chiliens, angolais. Notre professeur de dessin était le représentant du Front populaire de libération de l'Angola. C'était un Portugais blanc qui avait choisi le camp de l'indépendance de l'Angola. Les Black Panthers, les Américains, les Sud-Africains, Myriam Makeba. Donc, j'allais en stage pour 2 mois comme dessinateur, mais après avoir vu tout ce monde cosmopolite, mes premiers rudiments de brésilien sont venus de ce moment-là où j'ai écouté de la musique brésilienne. J'en ai été absolument soulevé, bouleversé, et je n'avais plus qu'une envie, c'est d'aller au Brésil, où j'ai fini par y aller, par apprendre le portugais, et où j'ai publié mon premier livre sur la diaspora, sur la formidable diaspora syro-libano-palestinienne et sa réussite. Elle a donné un chef de l'État, Michel Temer, il y a encore 4 ans, juste avant Jair Bolsonaro, l'actuel. Et donc, je me retrouve dans ce monde. Pendant 2 mois, je baigne dans la culture la plus cosmopolite qui soit. Puis septembre arrive, je me suis dit quoi? Je vais retourner au collège pour apprendre la botanique, la géométrie. Non, j'arrête. J'ai tout arrêté et j'ai été engagé par Mkridesh, où j'ai continué non seulement à dessiner, mais surtout à me cultiver. Et il y avait un centre culturel soviétique, un centre culturel américain qui a fermé après 67. Mais on avait, pour ceux qui vont aujourd'hui à Alger, ils ne se rendent pas compte, ce qu'il y avait comme librairie à Alger, comme magasin de disques, comme vie culturelle, comme caractère cosmopolite. Le nombre d'étrangers qu'il y avait à Alger, c'est inimaginable quand on voit comment aujourd'hui c'est devenu une meshta de 5 millions d'habitants. C'est cela, Alger, aujourd'hui. Ou à 8 heures du soir, il n'y a personne dans le centre-ville. Et donc, j'ai eu la chance de connaître cette Algérie vibrionnante, foisonnante, malgré la dictature, car c'était une dictature. Mais il n'y avait pas le poids, la chape de plomb de la religion, des tabous qui pèsent aujourd'hui sur toute l'Algérie, particulièrement sur la capitale. C'était une dictature, mais on pouvait voir de très grands films, on pouvait écouter des musiques diverses, on pouvait... bref, il y avait une liberté, en tout cas dans les rapports sociaux, qui n'existe plus aujourd'hui.